Never. But never. Allô? On est en train de créer un jeu de cartes sur les communs. J'aurais besoin de toi. Ça tenterait-tu de créer une carte autour des projets des communs? Fait que si ça te tente, l'idée c'est tu écris le titre ici. Après ça, tu fais un dessin. Hein, je sais, tu n'as pas le goût de faire un dessin, mais c'est pas grave, ça va être cool pareil. Après ça, tu fais une petite description du projet. Après ça, tu signes ton nom. Après ça, nous autres, on part avec ça et on va faire un jeu de cartes avec. Ça te tente? Si on écrit une carte chaque, ça va créer une grosse marque de cartes qu'on va pouvoir utiliser pour créer quelque chose. Ça serait cool. Les attends-tu? Est-ce que tu as vu les photos? C'est notre situation. How are you today? That's good. Have you made a card yet? I did make something yesterday. OK, fait qu'il y a comme deux aspects à ce qu'on fait. Tu as l'aspect récolte de cartes, où est-ce qu'on se déplace, on rencontre des gens dans le processus du Common Space, puis on leur demande de déposer des idées sur un jeu. Puis on cache la complexité du jeu derrière les questions. Fait que nous, on pose des questions spécifiques. On dit, c'est quoi ta motivation personnelle à travailler en commun? Parle-moi d'un projet que tu trouves vraiment intéressant. Parle-moi d'une action commune que tu as déjà vue qui a eu un effet vraiment exceptionnel. Parle-moi aussi des menaces au succès des communs. Parle-moi d'un événement international qui pourrait se passer, qui aurait un effet critique sur le commoning local, international, ainsi de suite. Derrière ces questions-là se cache une catégorie de cartes dans le jeu auquel on va jouer. Après ça, à la fin du forum, on va avoir sûrement 200, 300, 400 cartes, puis on va faire une sélection de ces cartes-là pour composer un jeu qui est jouable. Puis après ça, partager ça avec la communauté comme étant la récolte du forum. Toutes les beaux apprentissages qu'on a eus, puis un beau portrait des communs et des gens qui y ont participé ici. On cherche à créer un jeu collaboratif où tous les joueurs, de 2 à 5 joueurs, jouent ensemble contre les political enclosures, les limites des communs qui existent dans le monde. Donc si tu ne collabores pas, tu perds. C'est impossible de gagner si tu collabores.